Yo tout le monde, c'est Ezor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre série sur Subnautica. J'ai vu que l'épisode précédent vous avez encore une fois énormément plu, donc merci à vous pour vos commentaires. Vous avez été très nombreux à me donner des astuces, donc merci beaucoup, on atteint les 200 likes. Et je compte sur vous pour qu'on essaye d'atteindre les 300 pour cet épisode. Je pense qu'on peut largement y arriver. Donc durant cette vidéo j'ai pas mal de choses à faire. Je vais déjà commencer par me crafter le Seaglide. Alors le Seaglide il est ici. Je vais vous le montrer, ça faut vraiment que je me le crafte parce que j'en ai besoin. Donc il me faut une pile, du lubrifiant et un fil de cuivre. Donc ça j'ai tout, je sais où je peux trouver du lubrifiant, une pile c'est pas un problème. Du fil de cuivre également. Du fil de cuivre normalement je crois que j'ai du cuivre ici. Voilà, j'en ai un deuxième dans une autre boîte je crois. Peut-être que je peux m'en crafter hein, là. Ekomi, cuivre, fil de cuivre, cuivre, est-ce qu'il y en a du cuivre? Non, alors c'est peut-être pas ici, benzène, uranium, ok, il faut que j'aille chercher du cuivre. Allez hop, c'est parti, je vais prendre du cuivre dans mes rangements et je vais aussi inventaire plein. Non, inventaire plein pour le... Hop, est-ce qu'il y a du cuivre? Ici, parfait, et il y a une pile qui est à 0%, donc ça me sert à rien. Par contre, pour faire du lubrifiant, il me faut des vignes de vin. Enfin des vignes de vin, des vignes d'orin pardon, qui sont juste ici. Je vais aller en ramasser, ce qui va me permettre de me crafter du lubrifiant. Hop, j'en ramasse 3, je pense que ça suffira. Et ça prend de la place, ouais, ça prend pas mal de place. Donc ce qui fait que normalement avec 2 ça devrait suffire. Et ce qu'il y a de mieux c'est que ça éclaire pas mal. Ça éclaire pas mal, donc ça c'est bien. Et j'attends encore les mises à jour du jeu. Faut que je fabrique encore une base. Je serai accompagné de RMK dans la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, encore une fois, vous avez le lien de la chaîne de YouTube de RMK dans la description de la vidéo si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne YouTube. Je pense que ça peut vous plaire. Donc, est-ce que là, je peux me faire du caoutchouc en silicone? Donc, c'est pas ça que je vais me faire. Un fil de cuivre, parfait. Hop, nickel, comme ça, j'ai mon fil de cuivre. Ensuite, il me faut du lubrifiant. Alors, le lubrifiant, je vais regarder vite fait ce qu'il me faut. Lubrifiant, il m'en faut 3 et j'en ai que 2. Alors, attendez, je vais faire de la place sur moi. Parce que j'en ai pas beaucoup, donc je vais mettre de l'or. Hop, nickel, et ça devrait suffire. Allez, je vais chercher encore des vignes d'or. Hein. Il commence à faire jour, donc c'est parfait. Donc, j'espère en tout cas que votre rentrée s'est bien passée pour tout le monde, hein, même que ce soit pour ceux qui vont à l'école et ceux qui travaillent. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Moi, j'ai pas réellement de rentrée parce que moi, c'est YouTube, donc bon, on va dire que c'est ma passion. Donc bon, je me lève le matin, c'est pas réellement un travail pour moi, c'est plus voilà, pour m'amuser. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous également, c'est de pouvoir vous lever le matin et de pouvoir vous éclater. Donc, lubrifiant, c'est bon, c'est crafté. Et du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, lubrifiant, j'ai fil de cuivre, j'ai... Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me manque le pile. Alors, pour une pile, il me faut du cuivre encore. Alors, du cuivre, j'en ai dans les coffres. Ok, là, normalement, je peux me crafter ma pile. Parfait, et je peux me crafter comme ça, le Seaglide, c'est nickel. Franchement, hop, j'ai hâte. Seaglide... Yes, parfait, super. Oh, j'ai hâte de l'essayer, voir ce que ça donne. Hop, on prend le Seaglide. Parfait. Ah ouais, on nage vachement plus rapidement. Hein. Wow, c'est énorme. En plus, on a une carte en 3D qui nous permet de voir où on est. Et jusqu'où ça peut aller au niveau de la profondeur. Et ça, c'est plutôt cool. Et par contre, la batterie, ça se décharge assez rapidement. Donc je vais prendre des piles avec moi. Quand je vais me déplacer, je vais prendre des piles. Ok, vite, on se déplace, on se barre, il va m'exploser la gueule. Ouf. Je vais prendre des piles, j'en prends une ou deux parce que vous avez vu que ça se décharge très rapidement. Ça se décharge très rapidement, donc ce qui fait que... Hop, je vais le laisser ici. Nickel. Et je vais me fabriquer encore des piles. Je sais pas combien j'ai de cuivre sur moi. Maintenant, ce que je vais me crafter, c'est le... où est-ce qu'il est? Ça, le recycleur. Je vais fabriquer le recycleur parce que ça me permet de tenir plus longtemps sous l'eau. Donc il me faut un kit de câblage et maille de fibre. Maille de fibre, bah c'est ça, vigne d'orin, donc c'est bon. Et kit de câblage, ça je crois que je peux m'en crafter. Kit de câblage, je crois que j'ai assez pour m'en crafter. Kit de câblage, minerai d'argent, 2. J'ai ce qu'il veut, j'ai parfait. Allez hop, on va se crafter ça. Minerai d'argent, je sais pas si j'en ai mis ici. Ça c'est du titane, de l'argent, j'en ai mis en bas, dans les coffres. Pardon. C'est pas gênant. Et ensuite maille de fibre. Parfait. Et là normalement je peux me le crafter. Normalement je peux me le crafter. Déployable. Personnel, équipement. Hop, recycleur, c'est parfait. Yes, nickel. Hop, on va le mettre ici.
Absorbe le CO2 afin de recycler l'air. Équipé bouton souris gauche. Ah, attends, si je fais ça et que je fais ça. Absorbe le CO2 afin de recycler l'air utilisé. Et... ah bah tenez, regardez qui je recroise. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Et ça attaque pas, donc ouais, ce jeu pour ça c'est vraiment énorme. Pour toutes ces créatures, c'est juste oufissime quoi. Pouah. Je savais pas qu'il se déplaçait en troupeau. On dirait Jurassic Park. Alors il y a les deux yeux. Hop, les deux yeux, il a la bouche. Pouah. Et ça prend pas de dégâts. Je pense que si je l'attaque... je pense pas que j'arriverai à la tuer. Hop, je recharge et j'éclaire. Bon. Allez, faut que j'aille au niveau de ma... faut que j'aille au niveau de mon île. Du coup, l'île... mon bateau est là-bas, l'île devrait être dans cette direction. Allez hop, on y va. Voilà, ça éclaire rien forcément parce que c'est trop profond. Donc la lumière, elle arrive pas à éclairer quoi que ce soit. Hop, je retourne avec... mes mains, ça ira beaucoup plus, enfin ça ira beaucoup plus vite. J'ai évité d'utiliser ma batterie quoi. Du coup je vais passer par là, plutôt à la place. Et je vais essayer d'aller encore plus profond que tout à l'heure. Ce qui fait que ça va être un peu compliqué, mais ça devrait être faisable. Je vais vraiment essayer d'aller au fond, au fond, au fond. J'ai... je vois un petit peu, j'arrive à me repérer, je suis à 100 mètres de fond là. Donc je pense que je peux encore... aller un peu plus profondément et il risque d'y avoir peut-être une ouverture à un endroit. Je l'espère en tout cas, mais c'est vrai que d'y aller là comme ça c'est un peu compliqué parce que je vois vraiment vraiment rien. Je suis à 200 mètres et c'est en rouge là, 200 mètres de fond quoi. Et ça descend quoi. Non non non, j'ai pas joué avec le feu parce que là non, non c'est trop dangereux. Là je vais mourir là, non 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 là c'est trop dangereux. Je vais attendre qu'il fasse jour parce que, et en plus il y a des bêtes. Il y a des bêtes carnivores donc non non je vais remonter. Ouais, il reste 27 secondes pour monter 200 mètres de fond. Je vais attendre qu'il fasse jour, ok. Comme ça déjà je verrai un peu mieux le fond de la mer. Je saurai où passer pour trouver une ouverture. Parce que là c'est trop dangereux, je suis à 80 mètres de fond. Non, non, je vais attendre. Ok, il y a deux ouvertures. Il y en a une ouverture ici et une ouverture plus bas. Donc ce qui fait que je vais prendre l'ouverture qui est tout en bas. Et en espérant que ça m'amène à un endroit bah, sympa et où il y aurait le monstre. Parce que je l'entends. Et c'est tout, malheureusement je l'entends juste. Alors qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux le scanner? Yes, progression 33%. Ok parfait, alors attendez, je vais juste scanner un petit peu avant de partir. Les 2-3 items que je ramasse. Parfait, et ensuite je vais remonter et j'y retournerai là-bas. Sachant que j'ai l'impression que je suis pas encore allé. Oh putain, c'est quoi qui m'a attaqué? Il y a un truc qui vient de m'attaquer, je sais pas ce que c'est. Je suis à 140 mètres de fond. Ouais, je vais réutiliser mon cyclide pour aller plus vite. Allez, je vais vite remonter à l'étage. À l'étage, moi, en haut. Hop, je vais prendre ma bouteille d'eau. J'en ai pris, c'est fait exprès. Allez, on replonge. On y retourne. Et en espérant. Je l'entends, le monstre. Je sais pas si vous l'entendez, mais de temps en temps, il y a des grognements. Et je pense que c'est lui. Mais par contre, faut après, encore faut-il le trouver. Mais ça, c'est un peu compliqué. Et surtout, ne pas se faire tuer entre temps. Ça c'est une autre affaire. Ok, alors là c'est le but, c'est de pas se tromper. Ah, il y a encore un truc là, alors attendez. Il y a encore un truc à scanner. Parfait, je suis à 67%. Nickel. Bon, en fait c'était juste une ouverture qui donnait sur un autre truc, donc ça n'a rien à voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a... ok, donc ici il y a rien. Bon, je vais passer de l'autre côté, je vais faire un peu le tour. Allez, on repart. Et oui, RMK il l'a trouvé. Alors je sais pas où, mais lui il a réussi à le trouver. Contrairement à moi. Ouais, il doit pas être bien loin. Il doit pas être bien loin. Et il y a rien encore. Bon, du coup, c'est pas grave. Ah, il est pas loin. Oh putain! Oh, mais il est là, il est là! Ah, mais d'accord, il est juste ici! D'accord, ok! Oh, mais il est énorme!
Oh là 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 là, le mastodonte que c'est. Ah mais j'étais pas loin en fait, c'est pour ça que je l'entendais. Je me disais putain mais c'est bizarre, moi je le vois pas. Ok, on va remonter vite à la surface avant de mourir. Et je vais faire gaffe parce que celui-là il fracasse, hein. Sincèrement celui-là il doit faire vraiment mal. Et il a l'air d'attaquer contrairement à l'autre qui était plutôt pacifique. Lui je pense qu'il attaque malheureusement. Ah ouais, il est énorme, il est magnifique. On va essayer de s'approcher un peu, j'ai 100 HP donc ça devrait le faire. Oh là là, il m'a enlevé presque tous mes HP quoi. Wow, il m'a enlevé 85% de vie. Oh. Oh là 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 là, il m'a dérouillé. Oh. Bon, en attendant, on a réussi, on l'a trouvé. Donc ça c'est cool, on l'a trouvé, on a enfin trouvé le serpent. Et ça m'a permis aussi de me balader un petit peu dans la grotte. Donc c'est pas plus mal. Mais je pensais pas que... Ah, il y a une autre ouverture ici, mais je crois que j'en viens de l'ouverture d'ici. Ouais. Ouais, je viens de... J'y viens, donc ça sert à rien, je vais prendre vite. Hop. Comme ça, moi, je suis tranquille. Et on l'aura enfin vu. Ok. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Hop là, un petit morceau de diamant. Et je vais essayer d'aller par là. Je pense qu'il y a une petite ouverture ou un truc du genre. Il y a des fortes... Il y a de fortes chances. Oui, voilà, ça va mener quelque part. Hop, on descend. Alors ici, il y a un trou à ce que je vois. Donc on va essayer de sauter. Hop. Yes. Oh, c'est énorme. Pouah, et on replonge dans l'eau. Parfait. Ok, bon. Allez, on est parti. Je vais fouiller un petit coup. Donc ici en fait il n'y a pas de bête, il n'y a pas de serpent, il est juste à l'extérieur. Donc ça c'est bon à savoir, ce qui fait que comme ça je peux me balader sans problème, sans me dire ah, je risque de me faire attaquer ou autre. Hop, on y retourne. Je crois qu'il y a un rocher là, ouais. Allez hop, on ramasse de l'or, parfait. On va continuer. Ouais c'est assez profond en fait, hein. C'est vraiment, je suis à 115 mètres. Hop. Je fais le stock d'or parce que ça peut toujours servir. Je peux pas rester plus longtemps. Sinon, je meurs. Et il faut que je recharge vite. Vite, 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 vite. Vas-y, il me reste 18. 18. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça va être juste, juste, hein, mais ça devrait passer. Je devrais pas mourir normalement. Allez, hop, s'il te plaît, vite, 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 dépêche-toi. Allez. Ouais, c'est bon. Nickel, parfait. Bon, on aura enfin vu ce fameux serpent, donc ça l'expédition, c'est parfait, c'est nickel. Ok, bon, du coup, je vais rentrer à ma base. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai ramassé un peu de ressources, du diamant, de l'or, j'ai pu me fabriquer mon Seaglide. Et j'ai encore pas mal de choses à découvrir, va falloir que dans le prochain épisode je construise enfin ma base. Va falloir que je m'attelle à ça, c'est hyper important pour pouvoir commencer à stocker mes ressources parce que je commence vraiment... à être blindé, j'ai plus trop de place et c'est pas terrible, donc pour ça il va falloir vite que je me dépêche. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça permet de partager un maximum la vidéo comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et à vous abonner pour pas manquer mes prochaines vidéos sur Subnautica, et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description de la vidéo. Merci encore à vous pour votre soutien, et en tout cas le jeu est vraiment sympa, franchement je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cool que ça, mais voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite du jeu. Merci encore à vous et à la prochaine, ciao tout le monde, à plus, bye, ciao ciao. Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur g2a.com, le lien est dans la description de la vidéo.